Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. Ok, salut à tous, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on est avec Nicomide. C'est parti, bonne vidéo. On est contre un Panthéon, ça va être... normalement, ça va être compliqué. Normalement, ça va être compliqué avec le Warwick et tout. C'est très exotique en face. On a un jungler autophile. Ouais, ça va être très étrange. Ça va être très cheesy en face. Le Singed, etc., ça peut être extrêmement chiant. Je suis un champion qui a normalement un champion à burst. J'aurais dû changer mes runes d'ailleurs. J'ai pris mes runes habituelles de gros bourrin burst. C'était absolument pas ça qu'il fallait prendre contre eux. Il y a juste le Panthéon qui me saoule. Et en fait, je sais pas s'il va me forcer à prendre un Zhonya. Parce que si je pars full dégâts, ça peut être super intéressant en fait. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe tout simplement. De toute façon, ce sera trop drôle. La botlane en face est juste trop exotique. Ça peut être vraiment trop drôle. Et c'est souvent l'exotisme qui... s'ils sont en duo Q, ça peut marcher en fait. C'est juste que en solo Q, tu peux pas sortir un Singe à la botlane. En duo Q, bah, c'est pas grave parce que ton mate te connaît et tu vas pouvoir faire peut-être la différence. J'aurais pas dû lancer ce Q là. Je vais prendre mon W en level 2 en fait, il y a trop de cheese avec les ganks level 2 mid, j'évite. Il est pas parti potion de corruption, j'aurais cru. C'est pour ça que j'ai pris aussi mes potions de corruption pour suivre un petit peu le rythme. Nice. Toujours pas fait proc d'électrocute, c'est un peu compliqué hein, de jouer agressif contre un Panthéon. Vous doutez bien qu'il peut vraiment faire un peu ce qu'il veut de moi s'il y a son jungler à côté. En gros, s'il y a Warwick à côté, je suis dead. Je vais le sauver. Ok, bah il est pas sauvable. Nice. Ok, c'est pour ça que je joue avec téléportation en passant. Parce que je veux faire la diff tout le temps en fait. Je me suis aperçu que jouer Ignite en fait. En solo Q, hein. Peut-être qu'en duo Q, ce sera peut-être différent, mais j'ai l'impression que tu ne peux plus jouer sans téléportation en fait. Si tu as vraiment envie de carry ton équipe, j'ai l'impression que la téléportation est beaucoup trop importante. En gros, tu te mets un handicap à la mid lane, le mec en face, s'il joue Ignite, bah c'est sûr que tu vas pas pouvoir le trade, mais c'est tellement rare de faire des 1v1 mid, parce que normalement c'est obvious, tu vois, tes engages, etc. Que la téléportation, tu vois, je la garde pour botlane ou top, et j'ai l'impression que ça fait la diff. J'ai vu un super smurf les dernières fois, là. Et ça joue téléportation, mais H24, en fait. Merde. Comme ça se fait que j'ai pas eu ça. Ah oui, j'ai le double buff, putain, j'avais même pas vu. Bah, rip, t'as raté ça. Là, j'avoue que je peux jouer un peu plus agressif, en fait. J'avais pas vu mon double buff, j'abuse un peu. Merde. Ok, my bad. My bad, c'était giga obvious. Allez, stun-le. Nickel. Re-nickel.
Nice. Bon, là, on est très bien. Hein. Là, on est très bien avec les doubles buffs. Y'a tout le monde qui arrive. Bon bah GG hein. On est plutôt pas mal. Bon, ils se sont bien tous donnés, ça fait plaisir. Ça, c'est malheureusement, c'est une erreur qu'on a tendance à faire en solo queue. Je savais pas si le Tariq... Là, c'était un petit peu risqué parce que je devais faire confiance au Tariq. Est-ce qu'il va lancer son stun? J'en avais besoin de son stun. Hein. C'était super important pour le Panthéon et pour pouvoir enchaîner. Après, j'ai vu que je pouvais trade back à un moment donné. Il a mis la ward pour moi, c'est gentil. Bon, on va prendre tout de suite ça. Hein. Un peu lui mettre l'auto-attaque, ça picote, on va reprendre la dernière potion, je joue un petit peu trop agressif, on va faire attention parce que là je vois pas la bot lane, j'ai plus de flash. Juste une ward. Ok. Je vais aller top. Non, je vais ramasser lui en vrai. Oh, il va trop vite. Il a ses bots, il va trop vite. Là, il y aura Singe normalement qui passe par là. Je l'ai wardé. J'ai pas envie de crever parce que je vois quand même pas mal de gold. Warwick. Fuck. Ok. Je vais peut-être back en vrai. Ils ont le Daragon, je vais prendre la baguette juste explosive et je me barre, je pense. Vas-y, je prends la wave quand même. Ça va me permettre d'acheter des trucs. Bon, il a faim, désolé, j'ai plus de mana. Bon, est-ce qu'ils vont partir full en... Ok, non, mais c'est vraiment des cheesers. Hein. C'est vraiment de la duo queue. Ça peut marcher de fou, hein. Je pense que maintenant, c'est juste du roaming qui est intéressant. C'est pour ça que je garde ma téléportation juste pour aider les lanes. Faut jamais revenir sur sta lane. Lui, il aime pas farmer. Hein. Son attaque, il le fout toujours sur moi. Pas envie de ult. Je pense pas qu'il vaut grand chose. Il valait quelque chose, mais pas la peine. Pas la peine de ult ici. On va se prendre les stacks. Hop, nickel. Ok, je me barre. Je sais pas s'il a flash en vrai. Moi j'ai ma proto-belt. J'ai envie de jouer proto-belt. À vrai dire, est-ce que proto-belt c'est intéressant contre eux? Ça me permet d'esquiver les tonneaux de GP. L'ultime de Panthéon. Alistar. Non, ça c'est too much. Mais je peux pas l'utiliser sur la flaque de Singe.
Ok. S'ils étaient vraiment genre 3 à taper la tour, peut-être que j'aurais TP. Mais je préfère vraiment garder la TP pour quelque chose de super intéressant là. Pour aider l'équipe genre. C'est un peu chaud là en vrai. Faudrait que je dépêche un peu déjà. Merde. Ok, dommage pour lui. Ils sont super cheesy. Les bâtards. En vrai, je suis même pas sûr de gagner. En vrai, je suis même pas sûr de gagner vu que je suis seul. Eux, ils sont deux. Ils peuvent faire des dingueries. Ils me font super peur avec leur cheese. Hein. Parce qu'encore une fois... Je suis un burst en fait. Et eux bah c'est des tanks. Du coup ils ont vraiment tout pour l'anti-burst. Du coup en vrai je suis même pas sûr de... Je suis pas sûr de la gagner hein. Je suis pas sûr de la gagner du tout. Faudrait que le maître Yi soit fed, qu'il prenne tous les dragons et tout. Mais il sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Je vais prendre ça je pense. Je vais y aller deep. C'est qui va le plus vite, le singe ou le ninja? C'est le ninja. Ok, good bien joué. Est-ce qu'il va tomber dans le piège? Ah, c'était rapide! Ouais, game rapide!